Les petits poulets, ils avaient décidé de partir sur le sentier de la guerre. On les appelait les poulets adolescents. Et ces poulets adolescents, ils s'étaient fait une crête. Comme une crête de coq, pareil. Ils avaient mis des peintures de guerre pour faire peur. Ils avaient mis des persils partout. Des boucles comme ça de fer, pas d'air. Ils avaient mis des bracelets autour des pattes. Et ils étaient partis en file indienne, comme ça, sur le sentier de la guerre, le sentier de la bataille. Et il y avait le chef des poulets qui était devant et qui disait « Et un, deux, 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 et un, deux. » Et là, sur le sentier de la guerre, le sentier de la bataille, sur un petit tas de terre, il y avait un tout petit poussin, tout petit tout jaune, il avait encore un morceau de coquille sur la tête. Alors après, il est en train de dire, ah, s'il vous plaît, allez, les poulets guerriers, s'il vous plaît, est-ce que c'est que je peux venir avec vous? Alors, il y a le chef des poulets guerriers qui s'est arrêté, il a freiné. Mais celui qui a mis juste derrière, il a tamponné, et puis le troisième, ça fait un gros tas de plumes. C'est un gros tas de plumes comme ça, ils étaient tous emmêlés, alors on essayait de démêler les plumes, chacun sa plume. Hein. Pendant ce temps-là, il y avait le petit poulet qui disait, s'il vous plaît, je suis petit, mais est-ce que je peux venir dedans? Alors les poulets se sont relevés, et le chef des poulets qui a mis ses plumes comme ça, et qui lui a dit, toi, t'es trop petit, tu peux pas venir avec nous, t'es trop petit. Vous postillonnez, vous crachez, je sais pas, moi ça va, ça va. T'es trop petit, et petit, ils viennent pas sur le chantier de la guerre. Ils sont repartis. Et le petit poulet, qui est encore plus petit qu'un poulet, donc c'est un poussin. Il courait derrière ses petites pattes. Attends-moi. Est-ce que je peux venir avec vous? Je vous en disais, peut-être que vous aurez besoin de moi. Je suis tout petit, mais oh, petit, vous aurez besoin. Mais eux, quand ils ont eu le petit poulet, ils suivaient. Ils ont dit, on va le sauver. On va aller encore plus vite. Vous êtes prêts? Et 3, 4, et 1. Allez, c'est vite. Ils ont eu tout fait d'arriver dans la savane. La savane profonde, la grande forêt d'Afrique. Mais dans la forêt d'Afrique, petits amis, petits poulets là-haut, les arbres sont très hauts. La girafe, elle est très haute. C'est grand. L'éléphant. C'est qu'ils ont eu peur. Si peur que le chef, il a dit, vite, courez, allez, courez.
regardez où il volait cette rivière. Là. Dans le trou. Le chat, il les avait rabattus, amenés là. Chut. Ils sont tous entrés dans le trou. Mais ce trou-là, mes petits amis, c'est le garde-manger, le frigidaire du chat. Le chat, quand il est entré, il avait des petits poulets, étaient là, dans le noir, il claquait du bec, il avait des pattes troulées comme ça. Le chat, il dit, je vais les régaler, mais je vais les compter pour être sûr qu'il ne leur montre pas. Alors vous allez m'aider à compter des petits poulets, d'accord? Oui. On y va, on commence à compter. Et 1, celui-là, je le mangerai. Et 2, celui-là je le mangerai. Et 3, celui-là je le mangerai. Et 4, celui-là je le mangerai. Et 5, celui-là je le mangerai. Et 6, celui-là je le mangerai. Et ça, celui-là il est un petit peu petit, Ricky. Je le mangerai pour l'apéritif de dimanche. Mais il a bien vu le chat que les poulets avaient peur. Ils étaient comme ça, tout tendus, ils avaient peur, ils avaient... Il a tâté les poules. Oh, il s'est fermé. Oh, c'est constant, ça, oh là. Mais les petits poulets étaient tout tendus, tout durs. Il dit, oh, il faut chanter la chanson pour ramollir la viande, pour l'attendrir, pour la rendre plus molle, plus moelleuse, plus tendre. Alors il a pris son tambour pour ramollir la viande. Qui dit, je suis le gros chat, mon maître chat, mange des poulets.